c'est Lélé 26, on se retrouve pour le cinquième épisode, le cinquième épisode de Tomb Raider Legend. On était au Japon et on allait à la rencontre de Monsieur Takamoto, qui fait chier. Par contre là, je sais pas si c'est en bas ou en haut. Mais où ils sont? Ils savent pourtant que t'es là. Tu les verras quand je les verrai. J'avoue, tu les verras quand je les verrai. Oh putain, là ça c'est la merde. Ils sont là ou ils sont pas là? Appuyez sur eux. Je crois qu'il n'y a pas d'issue. Il y en a toujours une, Rip. J'avoue, il y en a toujours une. Par contre... C'est quoi ce W, il me semble? Ça marche pas. Je suis loin en fait. Hop. Non mais t'es sérieuse? Ok. T'es sérieuse toi. Oh putain mais... Oh c'est trop chiant. Bonsoir, moi je sais. Il peut y en avoir d'autres dehors, Lara. Sois prudente. Quelle belle soirée pour prendre l'air. Oh, c'est ce que ça veut dire. Je vais aller chercher mes cachets. Ok, d'accord. Bon, si t'as le vertige, ne regarde pas cette vidéo. Par contre, ça défonce les oreilles, le petit bruit derrière de télé là. Allez, allez, s'il vous plaît, j'ai mal aux oreilles. En fait, c'est facile en fait. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Mais non, ça va. Ne regarde pas en bas, s'il te plaît. Je n'ai pas le vertige, Alistair. Moi, ça me donne envie de vomir. Je l'ai déjà dit en Bolivie. Je fais ce que je peux pour lever la tête, mais j'aimerais bien pouvoir me concentrer si ça ne vous dérange pas. Je suis désolée pour la caméra, mais je peux pas faire autrement.
C'est pas du Tomb Raider 2013. Wouhou! Point de passage, youhou! Par contre, là, je vois pas du tout ce que je dois faire. Ah oui, d'accord. Dépêche-toi, Lara! Ça va pas tenir! Vite, Lara! Ça peut céder à tout instant! Vite! Oh, mais. Le mec qui te fait chier. Qui te fait stresser à mort. Tu vois. Ça va très bien, moi. Vitano! T'as un problème peut-être? Il y a quoi là-dedans? Treasure. Hop. On se lève. Je m'attendais. Je sais pas comment il faut monter. Non, en fait, faut pas monter. Oui. Tu crois que c'est un piège? Ouais. Sois prudente. Qu'est-ce que c'est? Oui, dans ce contexte, c'est plus du domaine de l'art moderne que de l'archéologie. Elle est splendide, mais tu ne crois pas qu'elle est un peu grosse pour la ramener chez toi? Franchement, elle est grosse. Eh, laisse-la faire, mon vieux. L'art doit avoir une forme et une fonction. J'ai connu mieux. On va éviter de recommencer. Vous n'auriez pas dû venir. Ici, c'est mon domaine, pas l'un de vos tombeaux moisis. Parlez-moi de l'épée, Takamoto. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant, Miss Croft? Laissez-moi la voir et vous saurez. Votre entêtement vous coûtera la vie. Par contre, là, je suis... J'ai très très peur quand même. Parce que moi et les boss, ça fait 3000. Bon, Takamoto est filé. Qu'est-ce qu'on fait? On le rattrape. Peur du boss là, vraiment peur. Pourquoi je peux pas y aller? Ah si je peux. J'ai flippé. Hop. Oh là là, quel froussard celui-là, c'est pas possible. Mais franchement, il me fait trop peur par contre. Mais c'est où? Vous m'avez manqué de respect. Vous avez fait irruption chez moi. Vous avez tué mes hommes. Simple compression de personnel. Maintenant, si vous permettez, je vais vous débarrasser d'un objet. Vous parlez de celui-ci? Miss Croft, c'est le joyau de ma collection. Et pourquoi ça l'est? J'ai un faible pour les objets trouvés sur les cadavres anglais. Dans ce cas, c'était l'un de vos croisés. Certains prétendent même qu'il s'agirait d'un chevalier du roi Arthur. J'ignore comment cet imbécile l'avait eu, car
Il est manifestement antérieur au 11e siècle. Quand vous viviez j'ai dans peur, les gens, j'ai terre. Très peur. Et c'est pour ça que vous seriez prêt à sacrifier votre vie pour parce que non. Je suis tellement... Mais pour ça voilà. Vous ne comprenez pas, Scrooge. Chaque fois avant. Vos mouvements trahissent votre confusion. Vos mouvements trahissent votre confusion. Vous ne comprenez pas, Scrooge. Cet objet. Je vais te niquer ta gueule. Mais pourquoi j'ai sauté? Alors il est temps pour vous de mourir. Non, je ne mourrai pas. Moi, j'ai plus de soins que vous. Cet objet. Mais cours, cours, vas-y, cours. Voilà, voilà. Voilà pourquoi il est faible. Vous ne comprenez pas, Scrooge. Cet objet. Vous avez été stupide de venir ici. Vous avez la langue moins bien pendue, hein. Vous avez la langue moins bien pendue. Et toi, Kiri, vous brûlerez en enfer. Allez. Oui, c'est bien le même. Tu as vu ce qu'il peut faire? Oui, Alistar, j'ai vu. Dis-lui qu'il vient de marquer quelque chose. J'ai flippé ma race. Je pensais que j'allais pas réussir du tout. Bon, il y a eu un petit bug, hein. On va rien dire. Merci, Nishimura-san. Je suis vraiment ravie de vous voir. Oh, mais moi aussi, ma chère. Et Takamoto, où est-il? Tout dépend si sa vie fut bonne ou mauvaise. J'ai du nouveau sur James Rutland. En fait, ça te dit le gars? Absolument. L'Afrique est un de mes continents préférés. Bon, bah, prochain truc, c'est le Ghana. Bon les gens, on est que à 14 minutes, donc on va continuer. On a fini le Japon. On est obligé d'avoir cette tenue là. Toujours aucun signe, Dretland. Tu as découvert ce qu'il fait là? Non, mais j'ai du nouveau. En voyant la carte, Winston m'a dit que tes parents étaient venus ici. Apparemment, ton père a fouillé ce site avant ta naissance. Oh, ça, j'ai l'habitude. Il est allé un peu partout. Voilà, si ça tourne Ghana. Mal, je me recycle dans les cartes postales. Non mais regardez ces petites ermites qui abîment tout. Même pas ces bêtes. Ils n'ont pas l'air d'être passés par ici. À ton avis? On verra. Plonger d'une falaise m'aide à réfléchir. L'eau est absente.
absolument délicieuse. Le Ghana m'a manqué. Hop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fait chier ce truc. Il y a un truc là. Je l'ai vu. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Par contre, je sais pas ce qu'on va faire en fait. Les entrées grandioses sont rarement pratiques. C'est ce qui fait leur charme. Lara, vous n'abandonnez donc jamais. Tiens, tiens. Voilà Rutland. Et si vous descendiez bavarder un peu? Ça dépend de la portée de votre arme. Vous savez bien que les relations à distance finissent toujours de façon tragique. Je vous souhaiterais bien bonne chance. Mais bon. Alistair devrait jeter un coup d'œil à ça. Il essaie toujours de découvrir d'où viennent exactement ces morceaux d'épée. Nous sommes seuls pour l'instant. Et là, tu vois quel genre d'objet ancien? C'est du moderne. Les hommes de Rutland ont dû l'utiliser pour se déplacer. J'ai déjà vu ça. Dans le carnet de mon père. Il est venu ici. On te l'a dit tout à l'heure. Zut, c'était pas Rutland. Il doit toujours être dans le coin. Comment veux-tu que je passe ça? Pas très efficace comme piège. Pour l'instant, non. Quelque chose doit bloquer le mécanisme. D'autres? Non. Voilà, c'est bien. Bref. Et du coup, faut arriver où en fait? Ce côté-là. Moi, je veux bien prendre ça, mais ça sert à quoi? On dirait que cette roue à eau est bloquée. Je crois même qu'on sait pourquoi. Cette colonne a l'air très lourde. Il y a plusieurs manières. La roue à eau a tout remis en marche. Félicitations, qu'est-ce que tu voulais? C'est un piège mortel. Il manquait une touche lumineuse.
Désolé, on fait un petit tour de roue, hein. Au KLM. Excuse-moi. Hop là. Donc en fait, ça, je peux pas passer. Il faut que ces pièges bougent pour que je puisse passer. Il y a que toi pour penser ça. Je n'aime pas ça du tout. Quitte à vivre, autant le faire dangereusement. Je vois pas du tout comment, moi, en fait. Hein. Ah, coucou, il y a peut-être un truc en haut. Et on monte, et on monte, et je sais pas ce qu'on fait. Ah, si c'est pas par là. Et c'est par là, par là, par là. C'est par là. Et c'est par là. Ce canal descend directement vers la roue. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas possible. D'être aussi conne. Ah. Oui. Non mais... Ce canal descend directement vers la roue. Sans quelques milliers de litres d'eau, pas de roue à eau. Eh oui, ça ne marche pas. Je savais. J'en étais sûre et certaine, vous voyez. Bon, bref, les gens, il me semble qu'on a eu un point de passage. De toute façon, au pire, on refera, c'est pas grave. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez. Donc, voilà. Donc, prenez soin de vous et puis, bye bye.